sclérome occlus a été classifié comme un AV métatarsial basal. Il est encore entre les pterosaures et les dinosaures. Mais s'il se trouve être plus proche des pterosaures, cela peut donner un aperçu de comment ces derniers ont évolué, puisque les premiers pterosaures montrent également des adaptations pour une locomotion saltatoriale, par petits bonds comme des lapins. Les Priondactylia étaient des pterosaures basaux du Trias. Ils avaient une seule cupside, signifiant que les dents étaient simples, avec une seule pointe, un trait de caractère des pterosaures basaux. L'Ostriodactylus avait un crâne allongé et portait une crête osseuse plus large vers le bout du museau. Malgré son vieil âge, Eudimorphodon avait peu de caractéristiques primitives, rendant le taxon peu utile pour tenter de déterminer où les ptérosaures s'insèrent dans l'arbre généalogique des reptiles. La rareté des premiers restes de ptérosaures a fait en sorte que leur origine évolutive reste un mystère. Comme la plupart des ptérosaures non ptérodactyloïdes, Dimorphodon est un grimpeur compétent, possédant des pointes de doigts proportionnellement grandes et incurvées et un centre de gravité bas. Comme les écureuils modernes, il se déplaçait probablement en sautant de branche en branche. Les calcaires de Sonthofen en Allemagne ont tellement bien préservé les restes de Rhamphorhynchus que les paléontologues peuvent presque tout savoir sur ce reptile volant. Ils connaissaient sa structure osseuse et la disposition de ses organes internes. En comparant ces anneaux sclérotiques, les petits os qui forment un cercle autour de l'orbite, avec ceux des oiseaux modernes, on pense qu'il était diurne, probablement pour éviter la compétition avec des ptérosaures du même gabarit mais nocturnes, comme le Scaphoniatus. Le fossile du sorbe montre aussi des parties molles, comme la membrane de peau des ailes et des protopoils. C'est une des plus anciennes preuves que le corps des ptérosaures était couvert d'une sorte de pelage, des filaments qui seront appelés plus tard les pycnofibres. Les anurognathides ont toujours été pris pour être nocturnes ou crépusculaires comme les chauves-souris modernes. Le fait qu'ils aient de grands yeux supporte cette théorie. Leurs dents suggèrent aussi un régime insectivore, même si certaines espèces devaient avoir une alimentation plus variée, comme le Batrachognathus et le Géoloptérus, qui pouvaient aussi manger des poissons. Chez Géoloptérus, les ailes étaient attachées jusqu'aux chevilles, les pattes arrière étaient courtes mais robustes, et les orteils avaient des griffes incurvées bien développées, même si plus courtes que celles de ses mains. Le ptérodactyle est le reptile volant le plus connu ayant vécu sur Terre. Cette créature avait la taille d'une buse, il volait au-dessus des océans côtiers comme les goélands et attrapait les poissons au gré des vagues.
Le sténochasma se distingue surtout par ses nombreuses dents longues et fines, plus de 400. Elles étaient incurvées et serrées entre elles. Dans son bec, elles formaient une sorte de peigne. Cette caractéristique laisse penser que cet animal filtrait l'eau pour se nourrir. Les dents emprisonnaient les petits invertébrés, mais contrairement à son proche cousin, le ptérodostro, il lui manquait le mécanisme de pompage pour avaler les proies capturées. Les paléontologues pensent que, comme les flamants roses d'aujourd'hui, leur alimentation leur donnait une teinte rosâtre. L'immense crête au crâne du nyctosaure soulève tout un tas de questions. Les paléontologues ne sont pas sûrs, mais elle pourrait avoir soutenu une grande voile. Mais cette voile aurait rendu le vol de l'animal instable en cas de forte tempête. Le Geosternbergia était plus ancien que le Pteranodon et est considéré comme étant son ancêtre direct. Les paléontologues ne sont pas sûrs si ces grands ptérosaures volaient de leur propre force ou s'ils se laissaient porter par les courants d'air. Mais la plupart des spécialistes pensent qu'ils glissaient sur l'air. Et si c'est le cas, il est possible qu'ils prenaient leur envol au sommet de falaises ou autres perchoirs. La grande crête à l'arrière de sa tête lui servait à le stabiliser durant le vol. Le grand nombre de hamipterus trouvés permet de donner une bonne idée de leur croissance, montrant comment les individus se développaient depuis l'ontogénie. Il y a un fort dimorphisme sexuel au sein de l'espèce. Anguera tenait sa tête inclinée par rapport au sol en raison de la structure de son oreille interne, ce qui a aidé l'animal à détecter son équilibre. Comme beaucoup d'animaux volants, il avait des anneaux sclérotiques aux yeux. Ces disques osseux procurent un soutien pour les yeux de ces animaux. Les ornithochérides, comme le Tropeonatus, faisaient partie des derniers ptérosaures à avoir des dents. Les tapijaridés semblent être des ptérosaures arboricoles, possédant plus de griffes courbées que les ptérosaures asdarchoïdes, et sont surtout trouvés sur les sites où l'on trouve d'autres animaux arboricoles, comme par exemple les premiers oiseaux. Ils ont longtemps été pris pour des frugivores ou omnivores, selon leur bec semblable à ceux des perroquets. Nemicolopterus fait partie des rares ptérosaures que l'on retrouve à l'intérieur des continents. Il chassait probablement des insectes, se perchant dans la canopée des arbres. La plupart des tapéjaridés avaient une crête osseuse au-dessus de la tête. Chez certaines espèces comme le tapéjara, cette crête est connue pour supporter une structure molle au corps au-dessus, comme une membrane de peau qui s'étalait jusqu'au cou. L'étude de leur boîte crânienne montre qu'ils avaient une très bonne vue, plus que pour les autres ptérosaures, et se basaient surtout sur leur vision quand ils chassaient ou interagissaient avec d'autres membres de leur espèce. L'évolution des becs des tapéjaridés montre l'évolution des fruits durant le Crétacé. Ils avaient des bords rugueux qui formaient des pseudo-dents pour mieux séparer les chairs des graines, comme pour les toucans modernes.
Le Tupuaxara est un membre du Thalassodromidae, qui signifie coureur des océans. En raison de la fausse idée sur leur mode de vie océanique, ils sont maintenant considérés comme des prédateurs terrestres. Les ptérosaures de la famille des Tsungariptéridae se nourrissaient exclusivement de coquillages, et l'adaptation de ce régime est directement visible sur le bec de Tsungaripterus. Sauriangupterus est connu pour être un ptérosaure sans dents et était probablement un mangeur de poissons, mais certains détails de sa paléobiologie manquent pour connaître plus précisément son régime. Il a été suggéré que les as d'Archite se nourrissaient comme les becs en ciseaux, des oiseaux qui laissent glisser leur bec à la surface de l'eau en espérant attraper des petits animaux au passage. Mais maintenant, cette proposition est moins certaine. On pense plutôt qu'ils avaient un mode de vie plus terrestre, plus semblable aux cigognes d'aujourd'hui. Les illustrations du Hadzégoptérix représentent ce reptile volant comme animal très étrange. C'était un immense ptérosaure avec un long cou et une grande quête sur la tête. Ce ptérosaure géant vivait sur des îles connues pour être habité par des dinosaures nains à cause du nanisme insulaire. S'il y a une chose que vous devez remarquer sur les illustrations du Quetzalcoatlus, c'est l'immense taille de ce reptile volant. Les paléontologues ont analysé ces fossiles et pensent que pour prendre son envol, il n'avait pas d'autre choix que de s'élancer du haut d'une falaise et glisser sur l'air. Ces créatures étaient les plus grands animaux capables de voler et étaient les derniers groupes de ptérosaures. Ils étaient aussi très efficaces, avec une répartition qui recouvrait le monde entier.